80. Il y a un S ou il n'y a pas de S? Dis donc, comment on écrit les nombres? Ça dépend. 3 285 400, ça fait 3 S en tout. Million prend un S parce que c'est un nom, alors que les autres sont des adjectifs. Attends, 200 sans S parce qu'il y a quelque chose derrière, et pareil dans 85. Excuse-moi, parce que... est-ce que tu... C'est pas clair? Bah, pas vraiment. Bon, on reprend calmement. 20 et 100 prennent un S quand on les multiplie. S'ils sont suivis d'un nombre, on n'accorde plus. Et quand ils indiquent un rang ou une date, ils ne prennent pas de S. Quant à 1000, il ne prend jamais de S. Il est invariable. Ah, donc, les années 80, c'est une date, pas de S. C'est pas si compliqué.